fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous le proclamons, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Car grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous reconnaissons ta fidélité. Ce matin, nous élevons, Seigneur, nos voix pour t'adorer. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour les merveilles de ta grâce. Seigneur, en nous et pour nous, Seigneur. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu es le Dieu qui les manifeste pour nous. Tu es le Dieu qui les renouvelle pour nous. Que ta fidélité est grande. Ô Dieu juste et bon,
Tu es le véritable. Ce matin, nous élevons la voix vers le Père, le Dieu d'amour. Il est si bon. Le Dieu d'amour, il est si puissant. Et c'est celui qui est en toi ce matin, celui qui est avec toi ce matin. Et tu peux l'adorer parce qu'il est présent. Oui, nous élevons ta fidélité dans nos cœurs. Nous élevons ta fidélité au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle, que nul et rien, Seigneur, ne peut être comparé à toi. Reçois l'honneur qui te revient ce matin de tes rachetés, ô Père, de ceux que tu as rachetés, Seigneur. Nous te rendons gloire ce matin. Nous te donnons la louange, ô Dieu, toi l'auteur de la vie. Sois béni ce matin, Dieu, dans ta fidélité et dans ton immense bonté, Seigneur, pour nous. Ô Seigneur, nos cœurs sont réjouis. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous réjouis. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir. Fiers, Seigneur, d'être en ta présence ce matin. C'est pourquoi nous apportons, Seigneur, oui, nos offrandes de louange et d'adoration ce matin. À toi, le Dieu unique, toi, le Dieu véritable, le seul Dieu, devant qui toute la création, Seigneur, s'incline. Tous ceux qui vivent, Seigneur, te louent ce matin. La création tout entière reconnaît, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, ton autorité. Sois exalté ce matin. Oui, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi sur toute la terre, Seigneur. Nous louons ton nom ce matin. Bien-aimé, bénis ton Seigneur. Bénis le Père d'amour, celui qui nous a donné Jésus parce qu'il nous a tant aimés, celui qui nous a manifesté le don précieux parce qu'il nous a tant aimés. Oh, nous le glorifions lui seul. Oui, c'est par la foi que nous saisissons ce grand salut qui nous a été donné. Oui, nous rendons grâce à notre Dieu qui a donné en chacun de nous cette mesure de foi avec laquelle nous pouvons l'adorer ce matin. Oui, tu peux l'adorer ce matin. Nous l'adorons en esprit, car le Dieu que nous prions est esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, grande ta fidélité. Nous le proclamons. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Seigneur, grande ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas.
je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Seigneur mon Dieu, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Nous disons, je compte sur toi, Seigneur. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Oui, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, sur toi nous pouvons compter. Seigneur, tu es notre abri sûr. Seigneur, mon refuge. Seigneur, mon abri. C'est toi qui prends soin. C'est toi qui veilles sur moi. Le jour comme la nuit. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Oui, nous bénissons, Seigneur, ton nom, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous te bénissons, Père, ce matin. Car, Seigneur, nous sommes dans ta fidélité. Merci pour ce jour merveilleux, Seigneur, que tu nous donnes. Oui, merci pour ta présence. Merci pour ton souffle. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, pour nous. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. Le jour comme la nuit, Seigneur.
Tu ne sommeilles ni ne dors. Paix, tu es éternel. À toi ce soit la gloire ce matin. À toi nos louanges. À toi notre reconnaissance ce matin. À toi nos actions de grâce. Oh Paix, tu es fidèle. Tu es fidèle en tout temps. Tu es celui qui vit d'âge en âge éternellement. Oui, ton règne subsiste à jamais. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous pouvons nous attendre à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne faillit pas. Mais ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Ta parole est la vérité. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Tu es vrai, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Sur toi, nous pouvons compter, Seigneur. Sur toi, nous pouvons compter, Seigneur. Oh, Seigneur, en toi, nous avons une ferme assurance. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui nous relève. Oh, dans nos faiblesses, Seigneur, nous sommes forts parce que c'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous fortifies. Dieu, tu es bon. Tu es bon ce matin, nous te louons. Tu es bon ce matin, nous te bénissons. Tu es bon pour nous ce matin, nous t'adorons. Tu es bon pour nous ce matin, nous te remercions. Car tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle, fidèle, quel que soit le temps, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle. Oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais, 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 oh fidèle à jamais. Fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. J'arrive au Saint-Égard et les mots saillent à car le compte non vos. Rebe de mosa mene kataya lilo santa raba mama mama rebo soto no mosha maya nanaba rebe kala masite nene mosha mama rebo sa kala maya site nene mo rama mama mama soto no mosha. Oui Seigneur, c'est pourquoi je donne gloire à ton nom Seigneur, à cause de ta fidélité qui durera jamais. Oh, oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. C'est ta présence qui nous rassure. C'est ta présence
toi le berger si fidèle. Toi le berger si fidèle. Tu es fidèle. Charabasse que tenez les mots. Oh, vois la fidélité de Dieu pour toi ce matin. Et bénis sa fidélité dans ta vie. Bénis-le pour sa fidélité. Adore-le ce matin. Il est le Dieu fidèle, celui qui a promis être avec toi tous les jours, sans jamais t'abandonner. Il est fidèle, celui qui est le rocher des âges. Il est fidèle, il s'appelle Jésus. C'est le Dieu qui vit en toi. Il est fidèle, il est plein d'amour, il est plein de bonté, il est riche en miséricorde. Oh Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle. Que le mot sanara mayase, que ne bosha ya ne recontro lo mos. Ramane nene mosa tekele bakata rabashente pre rado sama ya kinta raba ando shamene bosa taya le kole kata na namase le tusha na braholi kinta rabase bakomo somende shatai rende mendo so komanda rabasi tekele pre Seigneur nous ne comme toi rabana soko turia shataya ma. Personne ne fait les œuvres que toi, Seigneur, tu fais. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Rebodo sataya mama. Ramana soko toni namache de brosa. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta fidélité. Rabakobo soume de kataramase. Le komo somo no shatarabamase. Oh, shadele bosa namama. Oui, Père, tu es fidèle. Rabakomo somme de katanabase. Rabanache que te dene le bo satanababa. Lando soume que te dene le bo satanababa. Tu es fidèle à ta parole. Tu veilles pour l'accomplir, Seigneur, dans nos vies. Ce matin, tu l'accomplis, Seigneur, pour nous. Ramanoso que le mo satanababa. Oui, nous te louons, Seigneur. Rebondo shakatanabase. Nous te bénissons, toi, notre roi. Rebedoso manakatanabase. Redekoto shande le mo satanababa. Le qui manda rabashe que tenenebe. Et l'eau s'ouvra ya katarabashe. Le kotonomo son tonomo shanda rabashe. Oh Seigneur, nous reposons, Seigneur, sous ton abri, Seigneur. En sécurité, nous sommes. Oui, ta fidélité, Seigneur, est pour nous un bouclier. Tu es notre abri. Tu es notre sécurité. Oh, rebenemo saleka, yasetenenemo shabanamase. S'il est ta sécurité, alors élève encore ta voix ce matin pour dire merci à ton Dieu, pour bénir sa fidélité dans ta vie ce matin. Rebeneso to konemo shara manamase te kerebre rabanamaso to lobo shana ranamase rekoto no lobo shata yamasanto kodobre kataya iluntu shana rabamamase o rabakolobo sinte kedenene mosha. C'est pourquoi je chante que tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, toi le Dieu souverain, toi le Dieu sans pareil, toi le Dieu élevé, le Dieu éternel, oh le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu souverain. À toi seul la gloire, à toi seul l'adoration, à toi seul nos cœurs, Seigneur. Chante que les beaux s'attaquent endenemo sobra ila candela boskente nenemo shaya redekota ila brontuna na baya sinte que de pre ele shata ya babase ele no soto komonda rabakata lindu shande ede pronto rababa baseke tene de pronto ranana shete ke de praya sinte ke de bosha. Rebondo shata rababa. Oh,
merveilleux tu es. Glorieux tu es. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est sous. Jésus est souverain, le roi est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il notre admiration, notre contemplation. L'agneau souverain mérite nos acclamations. L'agneau souverain mérite notre genou flexion pour l'adorer. Oui, ce matin, à toi l'agneau de Dieu, immolé pour ma vie, immolé pour mon bien-être, pour me réconcilier à Dieu, pour m'accorder la grâce de la vie. Ce matin, je veux te rendre hommage, te rendre gloire, t'adorer, te louer, te célébrer, te magnifier pour tes œuvres merveilleuses, glorieuses dans ma vie. Ô éternel Dieu d'amour, de bonté et de fidélité, sois glorifié, sois magnifié et sois célébré. Merci parce que tu es ici. Tu es en moi, tu es avec moi, tu es avec mon frère, tu es avec ma sœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, oui, élève la voix et continue de célébrer l'œuvre gigantesque de l'agneau de Dieu qui t'a affranchi, qui t'a réconcilié avec le Père. Toi qui autrefois étais séparé de Dieu, autrefois étais privé de cité en Israël, autrefois n'avait aucune alliance, n'avait aucun droit aux promesses de Dieu faites à Israël. Aujourd'hui, par l'œuvre de l'agneau, toi qui étais inimitié, qui étais en inimitié avec Dieu, toi qui n'avais aucune amitié avec Dieu, aujourd'hui tu es devenu l'enfant de Dieu. Autrefois tu étais mort par tes offenses, par tes péchés,
marchés dans lesquels tu marchais. Autrefois, tu étais dominé par le train de ce monde, par le prince de la puissance de l'air. Oui, mon frère, ma soeur, tu étais rebelle comme tous les autres parce que l'esprit de rébellion agissait en toi. Aujourd'hui, mon frère, le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est grand dans son amour, ce Dieu t'a rapproché, ce Dieu qui t'a aimé. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui étais mort, il t'a rendu à la vie. Il t'a rendu à la vie par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau. Il a renversé le mur d'inimitié. Il t'a mis ensemble avec les siens. Désormais, tu fais partie de la famille de Dieu. Désormais, tu es cité parmi les enfants du royaume de Dieu. Tu es cité parmi les saints. Oui, mon frère, ma sœur, il est venu et par son sang, il t'a réconcilié, il t'a rapproché, il t'a enlevé la muraille d'inimitié qui te barrait le chemin, t'empêchait d'arriver à Dieu. Il t'a ôté cela et il t'a donné une vie totalement restaurée et renouvelée. Alors ma soeur, mon frère, tu peux bénir celui-là qui a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans leurs prescriptions, afin que toi, tu sois maintenant un homme nouveau, une femme nouvelle, et que tu n'aies plus à vivre les condamnations de la loi, mais que tu sois enrichi par son œuvre et que tu sortes de toutes les limitations que la loi t'avait données. Oui, ma sœur, tes limitations sont brisées, pas par ta propre force, mais par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix et célébrer l'œuvre de l'agneau, cette œuvre merveilleuse qui t'a donné accès au trône de la grâce, qui t'a rapproché au trône de la merveille, au trône des miracles, au trône des merveilles de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le sang t'a donné accès à la richesse infiniment grande de Dieu. Le sang de l'agneau t'a ouvert les portes du ciel, les écluses des cieux, et t'a donné accès à tous les trésors, à toutes les richesses de Dieu sur la terre pour toi. Mon frère, ma sœur, l'œuvre de l'agneau, c'est un mystère. Ce mystère, il sait que nous, païens, autrefois, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ et nous formons un même corps avec les juifs convertis pour participer à la même promesse que Dieu a faite depuis Abraham à tout son peuple. Désormais, nous aussi, nous sommes entrés dans cette dispensation de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, nous bénéficions de cet amour. Nous avons accès aux bénéfices de cet amour, aux avantages de cet amour, aux privilèges de cet amour. Excellent Père, nous te bénissons, te remercions, te rendons grâce, car Seigneur, nous, Seigneur, autrefois, dans la chair, appelés païens, étant incirconcis de chair, Seigneur, tu nous as donné d'être circoncis, mieux, pas seulement dans la chair, mais dans notre âme, dans notre cœur. Tu as enlevé la nature du péché en coupant, Seigneur, cette chair. Oh Père Céleste, nous qui n'étions pas cités en Israël, privés du droit de vivre des promesses de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, sans Christ dans ce monde, maintenant en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons été rapprochés par son sang. Nous avons été rapprochés, nous avons été bénis, nous avons été guéris, nous sommes restaurés. Père, sois béni. Père, sois loué. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes maintenant des gens du dedans. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Ah, quelle merveille! Tu nous as ressuscités pour ça. Seigneur, nous sommes tes enfants assis sur ton trône pour te célébrer, pour te magnifier et pour te glorifier. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Merci Père, alléluia. Amen. Comme il est bon de te louer, comme il est bon de te célébrer, comme il est bon de te magnifier. Oh, sois glorifié. Merci Seigneur. Tout ceci, c'est le résultat de l'amour de Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu. Ah Père, nous te bénissons Père pour ton amour. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, je veux que tu élèves la voix pour dire, je continuerai d'espérer en toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, car je sais que ton amour, selon ce que Paul nous dit dans Romains 8, il dit, son amour, rien ne peut me séparer de ton amour. Amen. Rien ne pourra me priver de ton amour. Tu peux le lui confesser, tu peux le lui déclarer. Oui, est-ce que c'est la tribulation, l'angoisse? Romains 8, à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Non, rien de toutes ces choses ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et bénir Dieu? Ton amour m'environne du lever du soleil à son coucher. Ton amour, Seigneur, conduit ma vie. Ton amour approvisionne ma vie. Ton amour fournit à ma vie tout ce dont j'ai besoin pour bien vivre. Ton amour, Seigneur, c'est ma capacité. Ton amour est la source de vie, la source de force. Ton amour, Seigneur, c'est le sens de ma vie. Ton amour, c'est la vie de que j'ai. C'est ma vie, Seigneur. Ton amour, Seigneur, mon Dieu, rien ne me séparera. Car cet amour, j'ai l'assurance, cette assurance que tu ne m'abandonnes point, tu ne me laisses point tomber, tu ne me livres pas en proie aux dents de mes ennemis, tu ne me livres pas à la merci de mes adversaires, tu ne m'abandonnes pas dans les problèmes, dans la détresse, dans la maladie, dans les difficultés. Non, Père excellent, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur mon Dieu. Père, tu es là, j'ai cette assurance que
Seigneur, ton amour est si grand qu'il est capable de m'arracher de la mort. Ton amour est si fort qu'il est capable de me délivrer de la main de mes ennemis. Ton amour est si pur qu'il est capable de restaurer ma vie, restaurer ma foi, restaurer mon amour pour toi. Seigneur, ton amour est si réel que Saint-Esprit, je peux dire avec assurance, je peux déclarer avec certitude, ni la mort, ni le séjour des morts, ni l'épée, ni la maladie, ni les situations de détresse, de trouble, d'angoisse, d'inquiétude ne pourraient me séparer de ton amour, ni l'épée, ni l'arme, des ténèbres, ni l'œuvre des ténèbres, ni aucune hauteur, aucune profondeur, aucune créature sur la terre, sous la terre, ne peut me séparer de ton amour qui a été manifesté par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Je veux te bénir, te louer et te remercier pour ton amour si grand, ton amour si fort, ton amour véritable, cet amour qui m'a tant aimé. Ah, Sakaboriata, libro tosi katalarababe. Tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, oh, tu m'as tant aimé, Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, qu'il m'a sauvé. On l'a frappé, frappé sur la joue, tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé, frappé sur le dos, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus pour son amour, cet amour qui l'a amené à braver cette mort humiliante, cette mort réservée aux impies, cette mort réservée aux brigands, cette mort réservée aux malfaiteurs. Il a accepté cette mort sur lui. Tout ceci pour toi, tout ceci pour moi. Est-ce que tu veux lui dire merci ce matin pour ce qu'il a manifesté son amour pour toi? Il a déployé son amour. Il n'a rien laissé de côté. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a tout donné par amour pour toi. Je veux que tu élèves la voix, que tu le bénisses, que tu le loues, que tu le célèbres, que tu lui rendes grâce, que tu lui rendes gloire, que tu lui dis Jésus, merci. Si ton amour n'avait pas été manifesté, je ne serais pas là où je suis. Je n'aurais pas certainement ce que j'ai. Je ne serais pas ce que je suis devenu. Seigneur, c'est ton amour qui m'a sorti de la boue du péché. C'est ton amour qui m'a retiré de l'idolâtrie. C'est ton amour qui m'a arraché des ténèbres. C'est ton amour qui m'a accordé la grâce d'avoir accès au trône de la grâce. C'est ton amour qui a ôté mes ténèbres, qui a enlevé le voile de mes yeux, le voile de la religion, et qui m'a restauré pour te connaître, pour t'adorer, pour communier, relationner avec toi. C'est ton amour, Seigneur éternel, qui a brisé la main des ténèbres qui m'oppressaient et m'a délivré de leur emprise. C'est ton amour qui m'a délivré de la puissance du royaume des ténèbres et qui m'a conduit dans ton royaume d'amour. C'est ton amour. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai rien donné. Je n'ai rien fait. Ton amour m'a trouvé dans le péché. Ton amour m'a trouvé dans la boue. Ton amour m'a trouvé dans l'iniquité.
insulté. Ton amour m'a trouvé dans toutes sortes de désordres. Mais ton amour n'a pas regardé, n'a pas considéré. Ton amour m'a pris celle que j'étais. Ton amour m'a ramassé dans la boue. Ton amour m'a ramassé dans l'iniquité. Ton amour m'a pris, Seigneur. Oh Dieu, et ton amour m'a lavé. Ton amour m'a nettoyé. Ton amour a ôté mon iniquité. Ton amour a enlevé mon opprobre. Ton amour m'a déshabillé du manteau de maladie, du manteau de l'opprobre, du manteau de la détresse, de la pauvreté. Et ton amour m'a établi dans les cieux, dans les lieux célestes. Ton amour m'a établi sur ton trône. Ton amour m'a donné la vie. Seigneur, je veux te dire merci infiniment. Le mot merci ne finit pas, ne suffit pas, ne peut pas contenir, ne peut pas exprimer. Mais Seigneur, il n'y en a pas de plus grand. C'est pourquoi je veux chanter en langue. Je veux dire, Seigneur, Mande sekelebota, Shali kalutu braka peliande, Rekete te bato tutuliri di brana, Lakeria boya de balanadoli de ni balutu braka. Shalalele bokoto, sibra kaperi karanda, yekete telerere boloto siata, rakutu bokoto bikata siata, mama mama rika lutu murakate, reke makariande kelele brondo, ribrundo si kaluta belekete, rabaka barakatori ala belekete, o karana mama rakata, rine brondo subra kata, le mana se kabaya kaluta li kalutu brando. La belle calala la libre la lono sekete barakatashta likaline balika lutu malakatasie ye kayaka tutu mama makele boroto sika lutu brata makibo koyaka tu prende o la yekele le bolota liri librado boroto siata shababari kwa kaliando sois béni père, sois remercié, sois glorifié. Merci Seigneur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Ô Jésus, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Est-ce que tu peux le lui dire? Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh mon Dieu, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh mon Dieu, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh, nul n'est comme toi. Oui, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, l'enterré, le troisième jour, il ressuscita. Et lorsque la mer s'agita, il parla pour calmer la mer. Alléluia. Je veux que quelqu'un élève la voix et dise à Jésus, je n'ai pas trouvé de pareil à toi. Dans ma propre vie, dans tout ce qui me concerne, tu es unique. Si c'est ce qu'il est, alors que le Saint-Esprit te donne les mots, parle en intelligence, je t'en prie. Ne parle pas en langue, mais dis-lui des paroles pour lui dire qu'il est unique dans ta vie. Il est le seul assis sur le trône de ton cœur. Il est le seul qui commande ta vie. Il est le seul qui a autorité, qui a pouvoir de parler, d'accomplir ce qu'il veut concernant ta vie. Il est le seul qui peut dire oui à ta vie ou non à ta vie. Il n'y en a pas d'autre qui a autant d'autorité, qui est droit
croit comme lui sur toi. Dis-le-lui, mon frère et ma soeur. Dis-lui, tu es unique. Tu es unique. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Tu es unique à ma vie. Tu es unique en ton genre. Tu es unique dans ton amour, dans ta bonté, dans ta fidélité, la manière de m'aimer. C'est unique, Seigneur. L'amour que tu me portes, c'est toi seul qui m'aimes de cette façon. Ce que tu fais pour moi, c'est toi seul qui le fais de cette manière. Comment tu me prends, c'est toi seul qui sais me prendre comme ça. Hey, Kayamoto Sakaba, Lekete Broto Suba la Kakulurdea, Zimama Kabele Karotosia. Oui, Seigneur, comment tu me parles avec tant d'affection, tant d'amour. Toi seul sais me parler comme ça. Toi seul peux me parler ainsi. Seigneur, toi seul as droit de décision de vie ou de mort sur ma vie. Toi seul as droit de commander dans ma vie. Toi seul as droit d'ordonner me concernant. Personne d'autre n'a ce droit. Personne d'autre ne l'aura. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es unique, Seigneur, à posséder ce droit. Et je suis content de te le donner. Je suis content de que ce soit toi. Parce que tu es un bon papa. Tu es un bon maître. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de mes remerciements. Reçois-les ce matin. Car nul n'est comme toi. Dans ma vie, Seigneur, tu es unique. Quand je suis malade, c'est toi qui me guéris. Les médecins m'apportent des médicaments. Mais le véritable guérisseur, c'est toi mon médecin. C'est toi mon guérisseur. C'est toi qui soigne. C'est toi qui guéris. Tu as le meilleur remède. Un seul remède pour toutes les infirmités. Les meurtres de Christ. Le corps brisé de Jésus. Le sang versé. Ah, quelle merveille. Quelle grâce. Seigneur, je veux te dire merci. Lorsque je suis dans la détresse, lorsque mon cœur pleure, lorsque mes larmes coulent, toi tu le sais, toi tu le vois, et tu as les paroles de consolation. Tu as la main, Seigneur mon Dieu, de caresse. Tu as l'affection, Père Céleste, ta présence, ta proximité. Tout ceci me rassure, tout ceci me relève de mes chutes, me relève de mes détresses, me relève de mes angoisses. Oh Seigneur, lorsque cet esprit, j'ai des besoins, j'ai des manques, c'est toi qui pourvois infiniment au-delà de ce que je demande et de ce que je veux. Sois béni, sois loué, tu es unique. Ce n'est pas en vain que je dis tu es unique, c'est à raison, c'est à raison. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je vis avec toi. C'est pourquoi je peux dire tu es mon unique, tu es mon unique, tu es mon trésor, tu es ma vie, tu es ma capacité, tu es mon onction, tu es ma avocat, tu es ma défense, tu es ma direction, tu es mon orientation, tu es ma conclusion, tu es mon introduction, l'alpha, l'oméga, le prince de la vie. Oh Seigneur, comme je t'aime, je te donne toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Reçois-les, car tu es digne. Tu es digne, alléluia. Oh, mamma carianda lota siata. Shalibro kotori katorianda preketelelebre. Lundo si makubra kaperia katala raraba. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nul n'est comme toi. Commanda se kelebona kabutu si kalarata bente. Alléluia. Karia katorianda. Riba baba baba rala brondo. Brono siata. Oui, l'amour de Jésus. Maka brono siakata lararabe. Remoto subalakata. Ribundo si kalutu brakate. Oh, sois glorifié. Sois magnifié. Nul n'est comparable à toi. L'amour de Jésus, c'est un amour, Seigneur. Ah Seigneur, l'amour de Jésus, amour. Alors il donna sa vie sur la croix pour nous sauver. Amour de Jésus, amour spécial. Alors il donna sa vie sur la croix pour nous sauver. Oui, chante le amour. Amour, quel amour, amour de Jésus, amour spécial. Alors il donna sa vie sur la croix
pour nous sauver. Chante encore, amour de Jésus, pour te sauver. Quel amour, amour de Jésus, amour spécial. Alors il donna sa vie sur la croix, pour nous sauver. Amour, quel amour, Seigneur, amour de Jésus, l'amour qui t'a envoyé à la croix, amour spécial, l'amour qui t'a déshabillé de ta puissance, de ta royauté, alors, de ta majesté, de ta dignité, sa vie sur la croix pour me sauver. Jean dit, on meurt à peine pour un juste, mais quand il faut mourir pour un injuste, c'est encore grave. C'est presque impossible. Mais c'est lorsque nous étions des injustes qu'il est mort pour nous. Alléluia. Pour nous montrer combien il nous aime. Il ne tient pas compte de nos vies, de nos situations, de ce que nous avons fait. Quelle que soit la quantité de péché que tu as commis, que j'ai commis, il dit, lui, il ne tient pas compte. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Je veux que tu élèves la voix. Tu lui dises merci parce qu'il n'a pas considéré ce que tu as fait. Comment tu as fait? Comment tu as brisé des foyers, jeune fille? Comment tu as détruit ton corps, jeune gens, avec l'alcool, la drogue, la cigarette? Comment tu as vécu? Comment tu as fait l'idolâtrie devant les eaux, devant les montagnes, devant les féticheurs? Tu allais te prosterner. Comment tu as livré ta vie à l'idolâtrie? Il n'a pas regardé, il t'a plutôt considéré avec des yeux d'amour. Et lorsque tu étais encore dans ces péchés notoires, ces péchés noirs qui ont noirci ta vie, obscurci ta destinée, il a donné Christ à ta place afin que par sa vie, toi tu puisses vivre, afin que par sa vie, toi tu aies la vie, afin que par sa mort, toi tu aies la vie. Oh Seigneur, la mort de quelqu'un donne la vie. La mort de quelqu'un donne la liberté. La mort de Jésus est une rançon. La mort de Jésus a été un prix qu'il a donné, payé pour que nous, nous ayons la vie. Seigneur, c'est pourquoi je dis merci. Tu n'as pas regardé à ma vie ténèbre, ma vie, Seigneur, d'impudique, d'immorale, de débauche, ma vie, Seigneur, qui ne t'honorait point, qui ne te glorifiait pas du tout. Tu n'as pas dit elle est trop mauvaise, tu n'as pas dit elle est trop impure. Oh mon Dieu, tu es descendu dans la boue du péché, comme cette femme, Seigneur, prise en flagrant délit. Tu t'es abaissé à terre pour écrire, pour dire je m'abaisse au même niveau que toi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Seigneur, tu t'es rabaissé jusqu'à moi, tu es venu jusqu'à moi, tu m'as tendu la main du fond de ma prison, tu as appelé mon nom, tu m'as fait sortir, tu m'as élevé, tu m'as béni et tu as restauré ma vie. Ce matin, mon cœur est dans une immense joie. Oui, Seigneur, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon âme se réjouit en l'Éternel, mon Sauveur, en Jésus-Christ, mon Dieu. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Papa. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de rendre grâce pour l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous allons prier pour la conquête victorieuse par l'amour. L'amour qui est la loi royale. Alléluia. Cette loi royale dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est ça la loi royale. Alléluia. Et nous allons bénir Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Dans Colossiens dans Romains 5, 5, nous également, il nous a aimés. Et maintenant, il veut que nous aussi, nous déportions cet amour sur d'autres. Nous proclamons cet amour à d'autres. Nous manifestons cet amour à d'autres. C'est pourquoi il a répandu le même degré d'amour, la même qualité d'amour, le même dosage d'amour. Alléluia. Il a répandu ça dans nos cœurs. Pour que nous ne disions pas, ah Seigneur, on ne peut pas aimer, oh, parce que toi, ton amour là, c'est différent de pour nous. Il nous a donné aussi son amour, afin que nous ayons le même amour que lui pour être capable d'aimer, même aimer nos ennemis. Alléluia. Bénis-le. Il dit l'espérance ne trompe point car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc la présence du Saint-Esprit, c'est la présence aussi de l'amour de Dieu en toi. Alors remercie Dieu parce que cet amour que tu as magnifié, tu as béni, pour lequel tu viens de le louer, il dit lui aussi il a mis cet amour en toi. Bénis-le pour ça. Père excellent,
Père d'amour, Père de grâce, nous sommes heureux d'être les participants de cet amour. Non seulement nous en sommes bénéficiaires, mais maintenant nous en sommes participants. Nous participons à ce même amour, car il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est en nous. Oh Saint-Esprit, merci d'avoir répandu en moi l'amour de Dieu, répandu en mon frère et ma soeur qui nous suivent l'amour de Dieu. Merci, nous tous qui sommes connectés avec toi. Nous bénissons ton nom, nous te remercions pour cet immense amour, cet amour de qualité, cet amour de haut niveau, cet amour de grande dimension, cet amour de grande renommée, cet amour invincible, inconditionnel, cet amour incomparable, cet amour inégalable, cet amour si fort, cet amour si fort, il est tellement fort qu'il peut délivrer, qu'il peut sauver. Cet amour-là, Seigneur, tu l'as répandu dans mon cœur pour que je sois capable d'aimer comme toi tu as aimé. Je sois capable de pardonner comme toi tu pardonnes. Je sois capable, oui Seigneur Saint-Esprit, de donner comme toi tu donnes. Sois béni, sois remercié parce que Père, tu as déployé ton amour en moi. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Regarde dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Il dit, il nous donne les qualificatifs de cet amour. Il nous dit comment cet amour se présente, comment cet amour est. Alléluia. Il dit l'amour de Dieu. Amen. L'amour, bon, je vais lire à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, bon, on va tout lire jusqu'au verset 3 et on va prier avec. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira de rien. Amen. Regardez, aujourd'hui, nous, on caractérise l'amour à travers, il faut donner ses vieux vêtements aux gens. Il faut aller visiter les gens dans les hôpitaux. Il faut, quoi encore? Il faut. Mais il dit tout ça, on peut le faire sans amour. Amen. Amen. Mais on voit les gens du monde, on provoque les guerres, et puis on vient se faire passer pour les sapeurs-pompiers. On envoie la Croix-Rouge, on envoie des vivres, on fait des convois de vivres, hein? On en va. Pourtant, c'est nous qui avons provoqué ça. C'est quel amour ça là? Amen. Et donc, l'amour que le monde a, que nous avons dans le monde, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Amen. Donc, disons au Saint-Esprit, je reconnais que si je pratique toutes ces choses, mais que l'amour vrai, l'amour véritable n'est pas en moi, c'est rien. C'est rien du tout. Alléluia. Père céleste, merci. Parce que même si je parle en langue, la langue des hommes, la langue des anges, même si, Seigneur, j'ai l'amour de... Je donne mes vêtements aux gens. Même si, Seigneur, je fais des prophéties. Seigneur, j'ai un ministère de puissance, de vision, de révélation. Seigneur, je prêche avec révélation la foi pour transporter les montagnes. Seigneur, si je n'ai pas l'amour, l'amour que tu as répandu dans mon cœur, si je ne le manifeste pas, si je ne laisse pas cet amour prendre le dessus, si je ne laisse pas cet amour vivre, je ne laisse pas cet amour opérer, je ne laisse pas cet amour se manifester, Seigneur, tout ceci ne me sert de rien. C'est pourquoi merci d'avoir répandu ton amour dans mon cœur pour que je vive ton amour. Et comment vivre l'amour de Dieu? Merci, Seigneur. Amen. Il dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, c'est-à-dire ne se met pas en colère, l'amour ne soupçonne point, hein? L'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Quand quelqu'un est en train de souffrir, tu ne dis pas c'est bien fait pour lui, l'amour ne se réjouit pas de ça. L'amour se réjouit seulement de la vérité. Amen. Amen. On va dire tout ce que l'amour n'est pas. On va prier et proclamer par la puissance du Saint-Esprit que l'amour de Dieu en moi nous donne de ne pas être tout ce qu'il dit qu'on n'est pas. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre à l'écran, hein, enlever même mon image, mettez à l'écran tout ce qu'il dit que l'amour n'est pas. Excellent Père,
Merci, parce que tu me décris ce que ton amour n'est pas. Seigneur, ton amour, Seigneur, ne s'enfle point d'orgueil. Ton amour, Seigneur, mon Dieu, ne fait rien de malhonnête. Ton amour ne cherche pas son intérêt, ne se met pas en colère, ne soupçonne point de mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Voilà ce que ton amour est. Saint-Esprit, que cela se produise en moi, afin que je ne réjouisse pas du mal, même si c'est dans la vie de mon ennemi. Que, Seigneur, je ne cherche pas mon intérêt dans les affaires, dans les choses, dans tout ce qui concerne ma vie, dans ma relation avec mes frères et sœurs, que ce ne soit pas seulement mon intérêt qui me guide, que ce ne soit pas mon intérêt qui me pousse, que ce ne soit pas mon intérêt qui me motive. Oh Seigneur, que je ne cherche pas que mon intérêt, que je ne sois pas malhonnête dans les affaires, que je n'use pas de fraude dans les relations, que je ne mente point, que je ne parle pas pour mentir. Seigneur Saint-Esprit, que je ne me vante point, que l'orgueil ne m'habite pas, l'orgueil qui fait qu'on est vantardiste, on est arrogant, on est hautain. Seigneur, que cet orgueil ne se trouve point en moi, car l'amour n'a pas d'orgueil, l'amour n'a pas de malhonnêteté, l'amour ne connaît pas son intérêt, l'amour ne soupçonne point de mal, que je ne soupçonne point de mal sur qui que ce soit, que je ne soupçonne pas le mal. Seigneur, aide mon cœur à manifester le vrai amour, que je ne me réjouisse pas quand le malheur arrive, même à mon pire ennemi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur rempli réellement d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais l'amour est patient. L'amour est se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et l'amour ne finit pas. Amen. Amen. Proclame cela. Proclame cela et déclare-le sur l'Église également. Excellent Père, merci parce que ton amour est un amour qui est patient. Que ton amour m'instruise la patience, m'enseigne la patience, me communique la patience. En sorte que Père, je sois tempérante, je sois maîtrisade, je maîtrise mes émotions, maîtrise mes sentiments. Oh Saint-Esprit, que dans l'Église, on ne voie pas des éclats de colère à cause de l'impatience. Que dans l'Église, nous soyons patients les uns envers les autres, patients devant les défauts des autres, patients devant les faiblesses des autres, qu'il y ait de la patience au milieu de nous et dans nos cœurs, que nous soyons pleins de bonté, que nous soyons bons les uns envers les autres, que dans l'Église, on n'ait pas d'acception de personne, il n'y ait pas de groupuscule, il n'y ait pas de secte, il n'y ait pas de celui-là est mon ami, l'autre je ne l'aime pas. Non Seigneur, que dans l'Église, l'amour soit au total, l'amour soit parfait, l'amour soit plein, l'amour soit en chacun de nous. Seigneur Saint-Esprit, que l'amour qui n'est pas envieux, l'amour Seigneur qui est en nous, qui croit, qui excuse, qui supporte, que cet amour soit dans le cœur de nos frères, de nos sœurs, que tous nous manifestons cet amour Seigneur qui est plein de vérité, qui se réjouit dans la vérité, qui pardonne à son frère, qui pardonne à sa sœur, qui croit Seigneur et qui ne soupçonne, qui espère tout Seigneur et qui ne condamne point, qui supporte tout Seigneur mon Dieu et qui Seigneur mon Dieu ne fait pas, qui ne finit pas, quels que soient les temps, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, cet amour ne finit pas. Seigneur Saint-Esprit, remplis l'Église de cet amour, réel, que cet amour soit réel dans l'Église, que cet amour soit fort dans l'Église. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, parce que tu nous inspires cet amour dans nos moindres actions, dans tous nos gestes, dans tout ce que nous faisons. Tu nous donnes d'expérimenter davantage cet amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier que l'Église soit davantage consciente de cet amour pour les conquêtes victorieuses. Amen. Alléluia. Il dit, si vous m'aimez, demandez et vous aurez. Alléluia. Si vous m'aimez, si vous avez de l'amour, vous allez demander et vous allez avoir. Si vous avez de l'amour, on va vous reconnaître comme étant mes disciples. Donc l'amour, là, il fait partie de ce qui nous permet de faire des conquêtes victorieuses. C'est aussi une arme. Amen. Dis avec moi, l'amour est mon arme. Mon arme. Mon arme pour mes conquêtes victorieuses. Alléluia. L'amour est une arme. Si l'amour peut te permettre de conquérir, de posséder, d'avoir, ça veut dire que l'amour peut te permettre de détruire, de renverser, de décapiter, de démolir et d'apprêter tes espaces et de les conquérir. Donc proclame que Dieu donne à l'Église de prendre réellement conscience de l'importance de l'amour dans ses conquêtes victorieuses en cette année.
Prions, mes frères et sœurs, excellent Père, nous prions pour que la conscience de l'Église soit éveillée sur l'amour. Nous prions pour que l'Église soit réveillée dans l'amour, car l'amour constitue une âme puissante pour les conquêtes victorieuses. Qu'elle soit consciente de l'importance de l'amour, qu'elle soit consciente de la place de l'amour dans les conquêtes victorieuses. Qu'elle prenne conscience, Seigneur, du rôle grand et important que joue l'amour dans les conquêtes victorieuses. Ô Saint-Esprit, ouvre notre esprit sur l'importance de l'amour, sur la valeur de l'amour dans nos conquêtes victorieuses, en sorte que l'amour ne soit pas négligé, l'amour ne soit pas méprisé, l'amour ne soit pas mis de côté. Que l'amour, Seigneur mon Dieu, règne dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Dans Éphésiens 3, verset 18, il parle. Éphésiens 3. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Amen. Donc jusqu'à toute la... Donc il y a un remplissage qui va jusqu'à la plénitude. Alléluia. Donc tu peux être rempli, mais de moitié. Tu peux être rempli aux trois quarts. Mais ici, il demande le remplissage qui va jusqu'à toute la plénitude. Et puis, il ne dit pas plénitude, il dit toute la plénitude. C'est important. Les mots ne sont pas en vain. Tu vas demander à Dieu de remplir l'église. Amen. L'église dans laquelle tu es. Bien-aimé qui nous suit en ligne. L'église dans laquelle tu évolues. Tu vas demander que l'amour de Dieu remplisse, l'amour de Christ remplisse. Il dit, cet amour surpasse toute connaissance. Et qu'il remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les cœurs des hommes, des femmes, des pasteurs, de tout le peuple de Dieu. Proclamons cela. Père excellent, réveille l'amour, que l'amour dans nos cœurs prenne toute la place, remplisse nos vies jusqu'à atteindre toute la plénitude de Dieu. Que cet amour soit dans la vie des pasteurs, de leurs épouses, de leurs enfants. Que cet amour soit dans le cœur des chrétiens, de tous, hommes et femmes, petits et grands, nouveaux et vieux. Seigneur, Saint-Esprit, que l'amour nous habite, que cet amour nous remplisse, que cet amour qui va nous permettre de faire des conquêtes victorieuses en cette année remplisse nos cœurs de toute la plénitude de Dieu. Que cette plénitude soit en nous, cette plénitude vive en nous, cette plénitude opère en nous, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dans 1 Jean 5 verset 3, 1 Jean 5 au verset 3, il dit: l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Je veux que tu élèves la voix et tu dises à Dieu, ton amour c'est garder tes commandements. Aide-moi cette année, chaque commandement que tu me donneras, que ce soit au sein de l'église locale, que ce soit dans ma vie, que ce soit nulle part ailleurs, dans mon foyer, dans ma relation avec les uns et les autres, papa, que j'obéisse. Car en réalité, tes commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Alléluia, proclamons cela. Excellent Père, Père d'amour, tu as établi que t'aimer, c'est obéir à tes commandements. Nous prions, Père, que dans l'église, obéir à tes commandements soit chose facile, soit dans le cœur de tous, soit, Seigneur mon Dieu, le défi de tous, soit le plaisir de tous. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta volonté, car obéir à ta volonté, c'est, Seigneur, pratiquer ton amour, c'est faire les choses qui conviennent à ton amour. Et tu as dit, ta volonté n'est pas pénible. Faire ta volonté n'est pas chose pénible. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Père excellent, afin que cette année, quels que soient les commandements que nous recevons, Seigneur, il y a des commandements qui diront, aime ton prochain, quel que soit ce qu'il t'a fait, va, pardonne-lui, fais la paix. Seigneur, que nous obéissions à ces commandements. Des commandements diront, oui, sépare-toi de telles choses, car cela cause de l'iniquité dans ta vie. Seigneur, que nous obéissions, quel que soit le commandement que nous recevrions de toi, Seigneur, que nos cœurs soient prêts et prompts à obéir, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, reçois la gloire. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Marc 12 au verset 30, Marc 12 au verset 30, il dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Amen. Tu l'aimeras. Dis au Saint-Esprit de t'aider à aimer Dieu. Quand on dit regarde de tout ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur là, c'est pour Dieu.
tout ce que ton cœur pense. Et comme le cœur est lié à la pensée, il dit dans ta pensée. Donc quand tu es là dans tes pensées, il faut que Dieu soit présent en toi. Il ne faut pas que tes pensées soient en train de mal regarder celui-là, mal penser de celle-là. Non, tes pensées doivent être sur Dieu. Il dit de toute ta force. C'est-à-dire, s'il y a une force en toi pour faire quelque chose, que ce soit pour l'œuvre de Dieu. C'est là on voit que ta force là, hein, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc tu aimes Dieu avec toute ta force. Amen. Amen. Quand mes enfants se réveillent à 4h, 4h30, qu'ils bravent le noir, l'obscurité, et tous les matins, ils viennent s'asseoir ici, c'est une façon de démontrer leur amour de toute leur force. Ils ont engagé leur force à se lever, à braver l'obscurité, les dangers, les malfaiteurs, et venir se tenir là pour louer, adorer avec chacun de nous. Oui, c'est une manière de manifester la force qu'ils ont pour Dieu. Alléluia! Ta pensée pour Dieu, ton cœur pour Dieu. Dis au Saint-Esprit de te donner, de manifester davantage cet amour dans tous les domaines de ta vie. Que ta force soit pour Dieu, ton âme, tes pensées, tout ton être soit pour Dieu. Que tu aimes Dieu avec toute ta force, avec toute ta pensée, avec toute ton âme, avec tout ton cœur. Ô excellent Père, tu nous recommandes d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Excellent Papa, aide-nous à manifester cet amour, à déployer cet amour, à vivre cet amour, à opérer dans cette qualité d'amour qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et de tout son être. Saint-Esprit, merci car l'Église que nous sommes, tu nous donnes de manifester cet amour, de vivre cet amour. Que la gloire te revienne au nom de Jésus parce que cela est fait. Alléluia. Apocalypse 2, verset 4. Il nous parle encore de l'amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Alléluia. Il dit, réponds-toi, souviens-toi. Quand tu as connu Jésus au début, là, tu faisais comment? Tu étais bouillant, rempli de zèle. Tu évangélisais, tu visitais. On ne te demandait pas, allons évangéliser. Tu es devant. La nuit, tu te lèves, tu pries pour l'église, tu pries pour les frères, tu pries pour ton pasteur, tu pries. Tout ça, là, au fur et à mesure, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Aujourd'hui, quand tu te lèves pour prier, il n'y a que toi, toi et toi, toi et Dieu. Toi et Dieu, hein? Il n'y a que tes affaires, ta famille, tes problèmes, tes situations. Tu ne sais même pas penser à quelqu'un. Paul dit, je fais mention de vous quotidiennement dans mes prières. Tu ne cites même pas le nom de quelqu'un, à part les gens de ta famille. Ah, mon ami, il dit, réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Comment tu étais avant quand tu as donné ta vie à Jésus là? C'est ça qu'il appelle premières œuvres. Souviens-toi de là-bas et parle à Dieu. Dis-lui, pardonne-moi, ramène-moi sur le sentier de la pratique des premières œuvres. Amen. Il dit, sinon, regardez le sinon de Dieu. Je viendrai, oh, je vais ôter ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Donc, souvenons-nous. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Si Dieu parle comme ça, c'est que dans ton cœur, là, il y a un premier amour qui est parti quelque part. Dis à Dieu, ramène mon premier amour. Je me repens et je reviens. Cette année 2024, là, je veux retrouver ce premier amour. Je veux retrouver ces premières œuvres. Je suis là pour ça. Aide-moi à le faire. Alléluia. Prions le Seigneur. Père excellent, Père de grâce, Père d'amour. Oh Dieu, tu as quelque chose contre nous. C'est que nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons cessé de t'aimer comme on t'a aimé au départ. Nous avons cessé de te donner toute la gloire et toute la place. C'est pourquoi ce matin, Papa, je me réponds avec mes frères et mes soeurs, en présentiel comme en distanciel. Et nous prions qu'afin que, Père, nos cœurs soient à nouveau remplis de cet amour qui nous pousse à repratiquer les premières œuvres. Retourne nos cœurs aux premières œuvres. Ramène-nous à emprunter les sentiers pour la construction.
l'accomplissement des premières œuvres. Seigneur, détourne-nous de la paresse. Détourne-nous des bavardages inutiles. Détourne-nous de la télévision et des portables. Détourne-nous, Seigneur, oh Dieu, des amusements, de toutes ces choses futiles, inutiles, qui nous prennent du temps. Seigneur, mon Dieu, Père, aide-nous à revenir à notre premier amour. À notre premier amour. Père, nous nous repentons ce matin. Nous reconnaissons que tu as raison. Nous reconnaissons que nous avons abandonné quelque part notre premier amour. Nous disons, Saint-Esprit, aide-nous à revenir par ta seule grâce. Aide-nous à revenir pour ta seule gloire. Aide-nous, Père, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Que Dieu libère. Regarde Matthieu 5, verset 46. Ah, ce passage-là, je l'aime bien. Hein? Il dit, si tu dis tu aimes, voilà comment il faut faire. Matthieu, tiens. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les païens aussi, ils s'agissent de même. Ensuite, si vous saluez seulement vos frères, tes amis, même à l'église, il y en a qui regardent comme ça et qui ne saluent pas. Même quand le bishop, le pasteur dit, saluez 4-5 personnes autour de vous. On choisit les personnes. Toi qui ne fais pas partie de ce clan, quand tu viens, on te regarde comme ça et puis on tourne vite la tête. Comme si on ne t'a pas vu. Dans l'église, si vous saluez seulement que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens, ils agissent ainsi. Continue. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père. Remonte au verset 44, 43, 44. Va même au 39. Je vais lire verset 39. Il dit, mais moi je vous dis, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a des gens, ils sont dans le régime de la grâce, ils continuent d'appliquer les lois, la loi. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Si tu me fais mal, je te rends. Si tu m'insultes, je te rends. Tu me fais mal, je m'en vais prier contre toi. Le malheur n'a qu'à t'atteindre. Ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Amen. Il dit, vous avez appris ça, on vous avait enseigné ça, mais moi, dans le régime nouveau, dans cette dispensation nouvelle, dans cette saison nouvelle, je vous dis que désormais, ne résistez pas aux méchants. Un. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un te fait mal, il faut laisser tomber. C'est tout ce que ça veut dire. Même si tu as le droit d'aller le frapper, d'aller parler contre lui, quelqu'un parler mal contre toi, et puis un jour, occasion est donnée. Quelqu'un qui est peut-être son patron, ou quelqu'un peut-être concernant le mariage, et puis on vient demander ton avis. Le diable achève, a dit, voilà, occasion. Rends-lui ce qu'il t'a fait. Tu dois choisir de décider de ne pas rendre le mal par le mal. Alléluia. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je me rappelle, dans les débuts, il y a très longtemps, il y a une sœur qui m'a manqué de manière frontale, c'est-à-dire devant, en face, voilà. Et je l'ai regardée, j'ai laissé tomber. Quelques mois après, elle doit se marier. La personne qu'elle s'en va voir pour demander du secours, du soutien, la personne me connaît bien. Et la personne vient me voir et dit, ah, telle sœur-là m'a vue et qu'elle voudrait que je l'aide pour son mariage, que je fasse ceci et cela. Je dis, ah bon? Et puis, en fait, c'est une esthéticienne française. Elle faisait mes soins. Et puis, le téléphone a sonné, elle est partie. Donc, je suis restée allongée toute seule. Donc, pendant les quelques minutes où j'étais seule, là, Satan va venir me parler. Ma chair va me parler. Que tu as vu? Voilà l'occasion de lui prouver qui toi tu es. Elle a osé te manquer de respect. C'est l'occasion de lui rendre l'appareil pour qu'elle te craigne. Si tu dis non, la fille là va dire non. Elle va lui dire, maman, pasteur a dit, donc moi, je ne peux rien faire pour toi.
Parce que la fille a terminé pour dire, ça dépendra de ce que tu vas me dire. Si tu me dis de faire, je ferai. Et puis j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, Satan, je ne te permettrai jamais de m'utiliser pour être l'obstacle à la bénédiction d'un enfant de Dieu. J'ai dit ça. Je ne te permettrai jamais de m'utiliser pour être l'obstacle à la bénédiction d'un enfant de Dieu. Je refuse ça. Et aussitôt la sœur est rentrée. Je lui ai dit, ce qu'elle t'a dit de faire là, c'est bien. Mais il faut ajouter encore ça, ça et ça. Complète. Et fais tout ça pour elle. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, tu ne le frapperas pas sur la joue pendant qu'il t'a frappé sur l'autre joue pour le lui rendre. Amen. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, il prend ta tunique. Mais laisse-lui encore ton manteau. Amen. Ça, c'est d'en faire des crédits. Quelqu'un a pris ton crédit. Il a pris ta marchandise. Depuis, il ne paye pas. Toi-même, tu vois qu'il a des problèmes aussi. Peut-être même qu'il n'a pas aussi de problèmes. Mais la mauvaise foi, la mauvaise conscience, la mauvaise attitude fait qu'il sait qu'il te doit. Mais il fait comme s'il n'y a rien. Il s'en fout. À la limite même, il t'ignore. C'est ça. Il a pris ton manteau. Il ne veut pas te rendre. Dieu dit, si tu niques la même là, il faut lui donner aussi. Là, il a pris ton gros pullover, non? Petit habit qui est en bas là, qui te sert aussi là. Donne-lui aussi. Ça veut dire que même si tu as encore l'argent, qui, tu vois, il a problème, il faut ajouter même. Il faut lui donner. Et à la fin, il faut faire quoi? Il faut lui dire crédit la même là. Je te laisse. Ben oui. C'est ça, il a pris ton manteau. Il vient, il plaide contre toi. Il prend ta tunique. Il dit, il laisse lui aussi ton manteau. Donne-lui. Donne-lui. Ce sont les manifestations de l'amour de Christ en nous, ça. Tu n'es pas obligé de le poursuivre. Dieu peut te donner ce que tu lui fais cadeau, là, d'une autre manière. Ben oui. Alléluia. Il dit, si quelqu'un te force à faire 1 000 000, fais-en 2 avec lui. Hein? Tu travailles. On te dit, fais ci, fais ça, tu as fait. On t'ajoute encore. Ah, moi je suis fatigué. En tout cas, c'est quel travail ça? On dirait esclavage. Ah, c'est quoi ça même? Vraiment. Maman pasteur me fatigue trop les gens. Tous les jours, on fait ceci, fais cela. Ah, c'est quoi même? Mon ami, c'est ça. Fais-en 2 000. On t'a demandé 1. Si tu peux faire plus, même ce qu'on ne t'a pas demandé, fais. Ah, on t'a dit de ranger ici. En rangeant, tu as vu qu'il y a du sable. On ne t'a pas dit balai, on t'a dit ranger. Mais tu as vu le sable. Tu vas ranger les chaises là dans le sable. Tu ne vas pas balayer. Non, ça, ce n'est pas l'amour qui t'anime. L'amour fait que tu as vu le sable là. On ne t'a pas dit, mais tu vas balayer. Tu vas enlever. C'est comme ça l'amour fonctionne. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas. Quelqu'un vient te demander, tu en as, donne. Tu n'en as pas, d'accord, je n'en ai pas. Mais on va prier pour que Dieu t'accorde ça. Mais tu ne regardes pas, tu en as et puis tu dis, je ne donne pas. Celui-là, il n'a rien vu. Ce n'est pas lui qui m'a fait ça l'autre fois. Ça, aujourd'hui, c'est à moi, il vient demander l'argent. En tant que vous êtes camarade, hein, pour lui, l'affaire est passée. C'est pourquoi il a le courage de venir te demander. Mais toi, dans ton cœur, tu n'as pas laissé. Tu prends ça pour dire, tu n'as rien vu. Et puis quand tu es devant lui, frère, on dit quoi? Ça allait, Dieu est bon, persévère. Hypocrite. C'est pas comme ça. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'était tout naturel qu'on n'aime pas nos ennemis. Aïe, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Eh, c'est pas là. Tu veux pas de moi, moi aussi je veux pas de toi. Ça, c'est ce qui était naturel. Mais on n'est plus dans le naturel, on est dans le surnaturel. Amen. Dans le surnaturel, il dit, ton ennemi là, aime-le et fais-lui du bien. Et regarde le bien qu'il te demande de faire. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Nous, on ne fait pas ça. Hein? Seigneur, brise les dents de mes adversaires. Seigneur, prends ton javelot, perce-les. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein? Faut pas en se mentir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment seulement, quelle récompense méritez-vous?
Alléluia. Donc vous avez vu l'amour. Jésus a défini en quelques mots ce qu'il attend de nous quand il parle de l'amour. Voilà c'est l'amour du royaume de Dieu. Comment ça se comporte? Amen. Bien-aimé, est-ce que c'est ce qu'on fait? On va prier, demander pardon à Dieu. Pendant qu'il nous a introduit dans une nouvelle alliance où l'amour aime, aime ses amis, mais aime aussi ses ennemis. Prie pour ceux qui lui font du mal. Il n'a pas dit prie contre. Hein. Qu'on prie contre là. Seigneur, que ton feu descende pour consumer cet homme, sa femme, ses enfants, parce qu'ils m'ont fait du mal. Ça, on prie contre. Ici, il n'a pas dit contre. Il dit prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le pour veut dire en leur faveur, pour leur bien, pour leur bonheur. Il faut prier pour eux. Amen. Il faut les bénir. Il ne faut pas les maudire. Tu n'es pas appelé à maudire. Tu es appelé à bénir. Tu dis que tu es source de bénédiction. Et si tu es source de bénédiction, ça veut dire que tout ce qui sort de toi là, c'est quoi? C'est bénédiction. C'est bénédiction. Et puis tu laisses ça, tu commences à faire malédiction. Donc toi-même, tu es en contradiction avec ta propre identité. Amen. Donc, mes amis, nous allons prier ce matin pour dire à Dieu que l'Église manifeste l'amour de Christ. Que l'Église libère, que cet amour soit libéré dans le cœur de l'Église. Soit libéré dans l'Église. Les païens sont au dehors. Quand les évangélistes qu'ils viennent dans l'Église, il faut qu'ils viennent trouver ce type d'amour-là dans l'Église. Pas l'amour naturel du monde où on aime celui qui me fait du bien, on est camarade, on est amour, on est entre nous. Quand quelqu'un vient, on le regarde comme ça, on le regarde comme ça, comme si lui n'était pas aussi né de Dieu et qu'il n'est pas enfant de Dieu. Non, que l'Église, on ne trouve pas ça ici. Alléluia. Prions et demandons au Saint-Esprit de nous aider à vivre cet amour. Que les païens convertis qui viennent trouvent au milieu de nous cet amour. Et qu'eux aussi puissent bénéficier de cet amour. Ils puissent rentrer dans cet amour au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu nous aides à vivre cet amour, à partager cet amour qui bénit ses ennemis, cet amour qui bénit, Seigneur, ceux qui nous persécutent, cet amour qui prie pour ceux qui nous maltraitent, cet amour qui ne fait exception de personne, cet amour qui n'a point de favoritisme, cet amour qui aime tout le monde, cet amour qui pratique la justice de Dieu, cet amour, Seigneur, qui pardonne, qui a un cœur de pardon et qui pardonne, Seigneur, cet amour dans lequel, Seigneur, mon Dieu, Père Céleste, tu es à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, cet amour qui active, Seigneur, la puissance de Dieu, capable de sauver, cet amour, Père Céleste, qui est capable de relever le faible et de lui donner de la vigueur, cet amour qui est capable d'aller prendre l'indigent et de le faire à soir avec nous, cet amour qui est capable d'aller prendre la prostituée et de l'amener au milieu de nous, cet amour qui est capable d'aller prendre, Père, le brigand, le malfaiteur et de l'amener au milieu de nous. Que cet amour soit dans l'Église, que cet amour nous anime, que cet amour nous remplisse, que l'on vienne et qu'on trouve cet amour, que l'on vienne et qu'on rencontre cet amour, que l'on vienne, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse expérimenter cet amour, car cet amour n'est pas dans le monde ne connaît pas cet amour, il n'y a que l'Église qui la connaisse, il n'y a que l'Église qui peut la vivre, il n'y a que l'Église qui peut la manifester. Seigneur, c'est pourquoi donne la capacité à l'Église, la force, la conscience à l'Église de vivre cet amour, d'étendre cet amour par ta grâce et dans ta puissance. Au nom de Christ Jésus, merci Père, reçois toute l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce matin, on a fini. On va rendre grâce à Dieu parce que nous croyons que l'amour de Dieu sera un amour pleinement vécu dans l'Église. Façon à prier pour l'amour, là, on aura beaucoup de tests, beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves par rapport à l'amour. Soyons prêts, soyons conscients, que notre esprit soit éveillé. Quand ça va se présenter, il ne faut pas tomber dans le piège du diable. Il faut savoir que toi, tu as l'amour de Christ. Cet amour-là te donne d'aimer ton prochain. Peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il commence, ce qu'il termine pas, ça c'est pas ton affaire. Tu l'aimes, c'est ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a pas dit de le juger, de le condamner. Dieu t'a pas dit, il faut faire son procès. Dieu t'a dit, aime-le. Amen. Dans les foyers, aime-le. J'avais mis ça, l'amour des foyers. L'amour, mais mon frère, il faut aimer ta femme. Elle est faible, elle parle trop, elle t'a manqué, elle a fait ceci. Il faut l'aimer. Ma soeur, ton mari, il est adultère, il a fait des choses, il ne prend pas soin de toi, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas à manger. Mon ami, Dieu dit, aime-le. C'est l'amour qui soigne, qui guérit, c'est l'amour qui refait toutes choses. Alléluia. Amen.
Bénissons Dieu. Nous croyons que l'amour est relâché, l'amour est libéré et que cet amour, que ce soit dans les couples, que ce soit entre nos frères et sœurs, que ce soit entre les brebis et leurs pasteurs, nous vivrons cet amour. Les nouveaux qui viendront trouveront un environnement d'amour, un cadre d'amour, un espace d'amour dans lequel ils pourront se fondre, s'intégrer et vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans la paix et la joie, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes, Seigneur, d'expérimenter cet amour à ce niveau de la compréhension, de la révélation de la parole que nous venons de comprendre. Seigneur Saint-Esprit, que cet amour, Seigneur, soit déversé en abondance et que quiconque foule de ses pieds les lieux de cette église, qu'il expérimente cet amour, qu'il puisse dire l'amour est réel ici. Merci Père de nous avoir bénis, exaucés, remplis de cet amour que nous vivrons, que nous allons continuer de vivre par ta seule grâce. Sois béni Père, au nom de Jésus, amen. Amen. Que l'amour de Dieu fasse de vous des canaux, des vecteurs de âme d'amour, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. À cause de l'amour que tu as, que Dieu te bénisse, que Dieu remplisse tes mains de vivre, que Dieu remplisse tes greniers de vivre, que Dieu remplisse tes comptes bancaires d'argent, que Dieu te remplisse de telle sorte que tu aies toujours de quoi continuer cette œuvre de bienfaisance et de libéralité à laquelle ton cœur prend plaisir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela sur une personne ce matin. Tu as le cœur de faire du bien, tu as le désir d'apporter. Dieu dit, parce que tu le fais avec le peu que tu as, j'ajouterai, je bénirai l'œuvre de tes mains, je rendrai prospère ta vie, j'étendrai tes limites, je te donnerai toujours de quoi donner, de sorte que tu ne sois jamais dans le manque. Au nom de Jésus, reçois cela, femme, reçois cette grâce d'étendre les limites financières dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu transporte, qui a transporté l'amour dans vos cœurs, transporte également le feu de cet amour, en sorte que cet amour brûle tous les jours du lever du soleil à son coucher, et que cet amour vous pousse à la pratique de toutes les bonnes œuvres que le Père a préparées pour vous tout le long de cette année 2024. Au nom de Jésus, que cela soit scellé dans la vie de tous. Amen. Merci Seigneur. Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime, 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus.